Le cinéma de minuit vous proposera, la semaine prochaine, Orphée, réalisé en 1950 par Jean Cocteau avec Jean Marais et Maria Cazares. Radio Bleu, maintenant, c'est toute la journée. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que... Avec Radio Bleu, prenez l'air de vos 20 ans, du matin jusqu'au soir. Radio Bleu, de 7h à 19h, sur onde moyenne, dans toute la France.
Demain, lundi, nos émissions débuteront à 8h sur FR3 par Continental avec toujours votre Eurojournal, certes, mais aussi enrichi de Zoom du 20e siècle où l'histoire en image, demain l'illusion totalitaire et de Est-Ouest où l'Europe dans tous ses états. Nos autres rendez-vous avec l'information se situent à 12h pour le 12-13, toutes les heures un nouveau Flash 3, vous le savez, et à 19h le 19-20. Ne manquez pas davantage à 16h05, Zappé n'est pas joué, la toute nouvelle émission de Vincent Perrault, 17h45, le premier épisode demain de votre nouveau feuilleton La Famille Fontaine à la cantine. Demain, notre soirée débutant pour sa part par la première partie de Bouvard et Pécuchet, un film de Jean-Daniel Vérac d'après l'œuvre de Gustave Flaubert avec Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle. 21h55, soir 3, suivi de Traverse, nouvelle collection là de documentaires. Et demain, nous y suivrons le premier volet de cette chronique du Studio 4, Serge Moati ayant décidé, ayant voulu en savoir plus sur la télé-révolution en Roumanie. A noter d'ailleurs que ce documentaire, chronique du Studio 4, eh bien nous vous le proposerons d'ailleurs demain également, mis à 11h et ce, en avant-première. 23h10, premier volet également là, de aux quatre coins-coins du canard enchaîné. Nos émissions prenons fin, tout comme ce soir, avec Carnet de notes. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de soirée, une bonne nuit et à demain sur FR3. Bonsoir.